L'obscurité envahit l'ascenseur. Il y avait quelque chose. Une présence. Jesse Faden l'entendait. Un appel, comme étouffé, qu'il appelait d'un lointain obscur. Mais Faden était sensible aux visites, toute une vie à en avoir. De sa bonne étoile et de l'ancien directeur. C'était le rôle parfait. Presque conçu pour ça. Elle s'arrêta pour sentir la force en présence qui modifiait les choses autour d'elle, subtile, pour la pousser à l'action. Ce qu'elle n'apprécia pas. Sa guide le sentit aussi. Polaris ne se rua pas pour l'aider comme pour le hiss. C'était donc autre chose. Pas une transmission hostile. Puissante, mais qui venait de très loin. Et faible en raison de la distance. C'était comme un appel à l'aide. D'un homme qui semblait se noyer, désespéré de s'enfuir. Mais elle sentait autre chose aussi. Une résonance dans l'ombre, semblable à la résonance hostile, en attente. Elle savait que les actes désespérés ont de graves conséquences. Et c'est cela, pas le désespoir de l'homme, qui la poussa à répondre. Les lumières de l'ascenseur se rallumèrent. Les ténèbres finirent par s'évanouir. Elle vit un nouveau bouton sur le panneau de contrôle. Secteur des enquêtes. Elle appuya sur le bouton. Les portes se refermèrent sur elle comme avec satisfaction. Y'a quelqu'un ? Apparemment, non. Ça m'a l'air un peu plus encombré que le reste du bureau. Bon, je ne suis pas détective, mais... s'est passé quelque chose ici. Est-ce qu'on se connaît ? J'ai comme un sentiment de déjà-vu. Je n'arrive pas à... J'ai oublié. Désolé. Mon nom est Alan Wake. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je vous connais. Je suis votre ami Tom. Tom Zane. Il n'y a pas à s'inquiéter. Tom ? Le poète ? Le plongeur ? Vous avez l'air différent. C'était juste un rôle, un personnage. Le protagoniste que j'incarnais dans un vieux film. Je fais des films. Je suis auteur, tout comme vous. Et nous travaillons là-dessus ensemble. Une collaboration artistique. Il vous faut un verre. Qu'épaisse. Des ombres, sans fin, rien ne reste en place. Mais nous touchons au but. Bon travail. On a trouvé un moyen de s'échapper, ça va marcher. Écris. Et c'est grâce à vous. Non. Je n'ai pas... Attendez. Il y a quelque chose. C'est mon double. Il est pas loin. Je l'ai ouais, vu. Ouais. Pas d'inquiétude. Je m'occupe de lui. Ça ira, mon ami. Faites-moi confiance. Vous l'avez rencontré ? C'est quoi ce bordel ?
Enfin, voyons. Vous m'avez mal compris. C'était le fameux Alan Wake, cet écrivain célèbre qui... Il a disparu il y a des années et ça a fait la une de tous les journaux pendant des plombes. Et Thomas Zane était avec lui. Le poète. Non, il était réalisateur. Je confonds tout le temps. Le docteur Emil Hartmann était désespéré. Le Bureau fédéral de contrôle lui avait ravi tout son travail. C'était sa dernière chance, son expérience finale. Ce qui l'avait toujours trop effrayé. Hartmann plongea dans le lac. Il fut pris, englouti par l'obscurité. Il devint la chose autrefois Hartmann. De lui, plus qu'un seul écho. Des impulsions fragmentées instinctives, violentes. L'obscurité sanguinaire prit le contrôle. Émergeant du lac, la chose fut capturée par le BFC. Transférée, confinée, étudiée. Puis la chose s'échappa. Tua tout sur son chemin. Le BFC battit en retraite et scella le secteur. La chose fut seule dans le noir, rôdant, chassant, guettant. Puis vint encore autre chose. Pas une ombre, mais semblable. Un son. Une résonance. Pas étonnant, en fait. S'il y en a une, pourquoi pas une autre? L'obscurité dans la chose aurait pu être immunisée, aurait pu résister, se battre, aurait pu se laisser traverser, sans altération. Mais finalement, rien de tout ça. Le temps, peut-être, l'avait affaiblie. Pas l'âge. Elle n'en avait pas. S'était-elle affaiblie enfin loin de sa source? Une autre métamorphose. La chose autrefois Hartmann se transforma encore. Effrayant, humide et abandonné. Qu'est-ce que Wake voulait que je trouve ici? Ça, on ne dirait pas une mutation classique. Est-ce que je veux vraiment le savoir? Cette ombre semble bloquer la porte. Bon, alors maintenant il faut que je me batte contre un son interdimensionnel et contre des ombres conscientes. Elle n'apprécie pas la lumière, hein? Ouais, c'est logique. La résonance se ferait une voix à travers la chose autrefois Hartmann, vibrant, remodelant. Le son altérant l'obscurité, l'obscurité altérant le son. Tous deux changèrent ce qu'il restait d'Hartmann. Tous trois devinrent autre chose. Une troisième. Le son devint obscurité, et l'ombre assourdissante. Hartmann fut étiré. Étiré, comme si on l'arrachait du temps même, comme un ver à travers le temps. Presque... un ouroboros, une spirale, un maelstrom. Le puits de gravité d'un trou noir vrillé à l'infini, rétrécissant et s'enfonçant jusqu'à des profondeurs sans fond, jusqu'au fond, au cœur et jusqu'à l'autre côté. La troisième chose dit, en entendant cela, tu sauras que tu es dans un nouveau toit. Elle dit, nous te bâtirons jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Elle dit, sous la réalité conceptuelle, derrière cette réalité, tu dois vouloir que ces ondes te transportent. Elle dit, baby... baby, baby, yeah, peau d'orange. La troisième chose était un monstre, capable de démembrer toute personne ordinaire croisant sa route.
Elle émergeait de l'obscurité vers Faden. Mais Faden, elle, n'avait rien d'ordinaire. Je me sens vraiment pas bien. Il y a quelque chose dans ces ombres qui m'affaiblit. Quoi, ça? Allez, l'ascenseur, c'est pas le moment! Merde! Alors, merde! Ça n'a aucun effet du tout. Sachez que si vous parlez, je ne peux pas vous entendre. C'est un sens unique. Essayez de trouver un interphone. Langston, c'est moi, Jesse. Oui, je sais, je vous vois sur les écrans. Ces caméras ne fonctionnaient plus depuis qu'on a condamné le secteur il y a 2 ans de ça. Laissez-moi deviner, c'est à cause du gros monstre qui se balade dedans? Attendez, vous avez vu Hartman? Il fallait vraiment que vous ouvriez cette porte coupe-feu? Ok, écoutez, vous devez trouver Hartman et l'éliminer avant qu'il n'arrive jusqu'au bureau. C'est une personne, ce monstre? Avant, oui, avant. On l'a amené ici pour l'étudier après qu'il ait été, disons, altéré par un 2AM. Le terme médical m'échappe en ce moment même, mais maintenant la lumière le blesse physiquement. Vous avez une lampe sur vous? Non. Une lanterne? Une frontale? Des fusées éclairantes? Ou une guirlande? Mettez-la autour de votre... J'ai rien de tout ça, Langston. Mince. Ok, bon. Je suis sûr que vous allez trouver un truc. Je vous surveille depuis le panoptique. C'est plutôt exaltant tout ça, non? De là où vous êtes, peut-être. Bon, ok. Eh bien... Merde alors. Oh, qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Ok. Ce monstre Hartman ne peut pas être très loin. Eh bien, allons le débusquer. J'ai écrit et réécrit, déconstruit et reconstruit, expérimenté avec des voix différentes, changé le style et changé moi-même. J'ai oublié le langage et je l'ai réappris. Étais-je ici avant? Ai-je voyagé sur ce chemin? L'obscurité veut cacher le passé pour me faire perdre ma route. Il faut savoir où l'on était pour savoir où l'on va. J'ai confiance en ce que je dis sur ces pages. Je les ai écrites pour une raison. Mes notes à moi-même. La seule façon d'aller de l'avant, résumer, puis continuer. Quant au style, pas de graisse. Que ce soit clair, moche, fonctionnel. Présent, brutal. La vérité à nu, tranchée à travers la réalité, déchirée, réécrire. Être malin, qu'ils fassent tout le travail, créer l'image dans leur tête, ça vient d'eux, tu sous-entends, tu inities. Le mystère les attire, les obsède. Tu prépares, et ils font le reste, leur interprétation, et c'est la seule possible, car tu ne leur donnes pas le choix. Et ils y croient. C'est la leur maintenant.
encore oublié. J'avais un plan. Je le sais. J'ai oublié. Quoi que ce soit qui est en train d'arriver à Wake, il a clairement besoin de notre aide. L'histoire veut plusieurs points de départ. Et des sources. Des sources qui devinrent une rivière, un torrent, puis un océan. Comme celle-ci. Wake dut faire avec ce qu'il avait. Les liens tissés, les personnes, même les lieux. Alors Wake l'est mis dedans pour faire plus vrai. Sa femme, le psychiatre, sa ville. Ces connexions comme des aimants bougent les choses. Alice comme catalyseur. Elle avait effleuré les ombres. La chose autrefois Hartman l'a sentie proche, sentit Wake en elle. Devint fou. S'échappa. Wake avait veillé à ce qu'Alice soit déjà partie. À l'abri. Beaucoup de sources doivent s'écouler pour qu'il puisse y avoir histoire. Pour que les gens y croient. Cause et effet. Un travail extrêmement difficile, délicat. Il faut emprunter la voie de la moindre résistance où la réussite est possible. Là où un lien existait déjà. Wake sentit une pression dans sa tête. Devint fou. Wake devait s'enfuir. Écrire sa propre évasion. Et déjà dehors, il voulait l'affirmer. Wake avait besoin d'un héros. Un héros a besoin d'une crise. Pour la partie avec une agence gouvernementale, Wake voulait quelque chose de spécial, pour exprimer une présence imitant l'intelligence humaine. Quelque chose d'intraduisible. Traduit. Wake copia Burroughs, Bowie. Les phrases, les mots, peau d'orange, tuer le foyer, folie. Il les mit tous dans une boîte. Il les prit au hasard. Et écrivit un poème dadaïste. Il avait déjà tout essayé. Avait-il essayé ça? D'accord, encore une réplique. Comme celle qu'ils ont fait pour Ordinary. Je me demande ce qui s'est passé ici. Me voilà. Laissez pas venir. Maintenant, c'est mon tour. Vous êtes vraiment pas bon à voir. Hartman ne sera plus un problème, Langston. Mais le secteur des enquêtes a besoin d'un responsable. Intéressé? J'ai vu ce qui arrive au gros bonnet, madame. Non, merci. Madame, quelque chose est apparu sur mon terminal. Une alerte 2AM issue de Bright Falls, à Washington. Mais c'est peut-être une erreur. La date est erronée, c'est quelques années dans le futur. Et le bureau est verrouillé, on ne devrait pas recevoir de signaux. Peut-être qu'il était actif avant le verrouillage complet. Il y a des agents sur site. Laissez-moi voir.
Agent Estevez est l'agent de terrain responsable de la surveillance du site, donc elle devrait être là et nous informer s'il y a des changements dans la situation. Tout s'est mis en marche. Si l'alarme est juste, alors la raison de l'alarme l'est aussi. L'effet suit toujours la cause. Ça recommence. Un retour. Vous avez été prévenus.